Yo tout le monde, c'est Tiop, ça faisait longtemps, du Rome de Total War. Alors aujourd'hui on se retrouve pour... On va jouer dans la campagne, donc Avènement de la République. Ça se passe en 400 avant Jésus-Christ. Et dans cette campagne, que je dise pas de bêtises, il me manque juste... un peuple avec qui je n'ai pas validé. Il s'agit des tribus hiérarchiques. Les Iliens. Je vais quand même vérifier ça, hein, les gars. On va quand même vérifier ça. Voilà, terminer la campagne d'avènement de la République avec les Iliens. Iliens. Bon, on va les appeler les Iliens. Difficulté de jeu normal parce que c'est, vous allez voir, c'est déjà assez compliqué et assez chiant de base. Alors, je vais pas vous mentir, c'est une campagne que ça fait peut-être... allez, sur un an, c'est peut-être la troisième fois que je la fais parce qu'à chaque fois, j'ai la flemme de la finir. Donc, je la fais avec vous comme ça. Pas d'excuses. C'est tu l'as fini ou tu l'as fini, voilà, il n'y a pas de... Alors, au niveau des cultures, donc, éclaireur chevronné augmente les chances de découvrir des armes cachées ou armées cachées pour tous les personnages, ça c'est cool, et plus 1 de capacité de recrutement des unités dans la capitale. Ça, on sait que... on va savoir que la province de la capitale, ce sera la province de recrutement militaire. Ensuite, défense Iliens, donc usure pour les armées ennemies en territoire Iliens, donc les fameuses guérillas quoi, les techniques guérillas. Et action gouvernementale, organisée périodiquement un tournoi sarde pour recevoir une variété de bienfaits. C'est très précis ça. Donc forcément, on commence en Sardaigne, pour ceux qui ne savent pas, la Sardaigne c'est la grande île Italie, pas au plus au sud, mais juste au sud de la Corse. Et c'était un peuple qui vivait là-bas, c'était les Sardes, quoi. Et là où on en est actuellement, vous verrez, hein, mais... ouais, mais là, si je vous dis ça, ça va spoil. Bon. Ça va spoil, donc... je vais pas vous spoiler, au pire, on verra après, normalement, ils doivent en parler. Ouais, vous allez voir, c'est plutôt clair. Destined to be the world. Marcus Furius Camillus. Rome needs you. Les Iliens de Sardaigne sont un vieux peuple farouche.
déjà dit, ils partageaient l'île de Sardaigne avec d'autres tribus du même sang. Puis vinrent les Carthaginois qui conquirent le littoral. L'heure est venue de se soulever et de renvoyer ces impudents envahisseurs sur les flots qui les ont amenés ici. Les Balari ont souvent revendiqué leur lignage avec les Iliens. Quand l'heure de frapper sonnera, ils hésiteront peut-être à le faire. Il vous incombe de réveiller leurs fibres guerrières pour le combat qui se prépare, ou de les vaincre pour capturer leurs terres. La Sardaigne sera le premier champ de bataille. Montrez-vous digne de Sardus Pater. Ok, c'est parti. Donc tout a été dit dans le titre. Carthage a conquis tout le sud et l'ouest sardaigne. Donc il reste pas grand chose d'intéressant. Alors, Sardaigne, autrefois. Plutôt que de changer de type de gouvernement, les Iliens peuvent apaiser les dieux, ceux d'en haut et ceux d'en dessous, en organisant un grand tournoi. Un tel événement a des effets positifs sur tous les plans. Les armées ennemies qui avancent sur les terres des Iliens seront dans une situation périlleuse, essuyant les attaques inopinées des locaux hostiles qui finiront par causer de l'usure auprès des intrus. Une fois affaiblis, ceux-ci deviendront les proies faciles d'assaillants Iliens, combinant le combat de guérilla avec la violence innée dont les Iliens font preuve en bataille. Si je vous expliquais le principe de guérilla, s'ils viennent chez nous, ils ont de l'usure. Voilà, un peu plus compliqué que ça. Alors bon, on va commencer par botter les fesses aux Carthaginois. Hein? Donc on va... Bon déjà on va forcément développer nos villes, faut pas déconner non plus. Hop, cavalier sarde. On va commencer un petit recrutement. Alors on a vraiment des unités pas ouf au début. Hein. C'est vrai. On a des coursiers et puis on a des montagnards. Ah, des haches sardes. Les frondeurs traditionnels. Hein, voilà. Ça coûte pas cher. Et c'est efficace. Donc on achètera. On va commencer par des coursiers au premier temps. Et on va développer notre terre ancestrale, hein, plus 2% de croissance par tour. Et des richesses provenant de l'agriculture, ça c'est bien aussi. Sonolaxi, il sera bien défendu, normalement. Et on va aller sur Cornus, donc on va y envoyer notre espionne. Au niveau de la diplomatie, on s'entend très bien avec les Balari. Salutations mon ami. Salutations à toi. Donc on va voir s'il y a moyen de faire un accord commercial. Il y a moyen. Cette alliance défensive, ils sont pas chauds actuellement. Donc juste un accord commercial. Voilà, c'est bien, ça va augmenter notre apport d'argent. Et on s'entend bien aussi avec les Corses. Donc voilà, petit pack de non-agression, c'est bien, ça passe. Accès militaire, ça passe pas. Un petit pack de non-agression, voilà, pour commencer, c'est toujours plaisant. Carthage, version culturelle, hein, action militaire, on s'entend pas très très bien. Hein. Ils sont en guerre contre Syracuse, donc on va en profiter. Et je vais en profiter pour vous montrer la carte de combat, que je peux pas dézoomer plus. Donc, Corsica Sardaigne, on a une petite partie de Carthage là, Carthago, on a 3 ou 4 provinces ici qu'on ira prendre assez rapidement, histoire de se débarrasser une bonne fois pour toutes des Carthaginois. Déjà, juste en se débarrassant des troupes carthaginoises en Sardaigne, c'est la moitié des troupes en moins. Puis en général, ils ont une province en Elimia, donc on va aller les finir bien comme il faut. Et puis pour le reste, on avisera. Non, on avisera. On a bien entendu des objectifs. Objectif ultime, hein, voilà. Hein. Conquérir Rome, Carthage, tout ce qui machin et tout bazar. Raser ou mettre à sac 30 colonies différentes, ça va falloir le faire aussi. Hein. Et là, premier objectif. Contrôler totalement deux provinces, soit directement par le biais ou par le biais d'alliés militaires. Et il faut que j'ai la technologie chasse, la chasse sacrée, pardon. Et pas la chasse sacrée. Oh putain, je suis fatigué.
Et le puits de stockage. C'est parti, on va pouvoir passer ce tour. On n'a pas grand chose à faire. Si, on peut marier nos... Non ? On peut pas. On va le... Ça coûte rien. C'est gratuit. On peut pas aussi. Il est pauvre, il a mouru à l'âge de 5 ans. Il était déjà très mature pour 5 ans, on voit sa tête. Hein. Il était déjà très adulte. Allez. Et on envoie, dans un premier temps, notre espionne à Cornus et une petite armée aussi, histoire de prendre le territoire. Donc il n'y a pas grand monde à Cornus. Très bien, donc je vais juste recruter du... Ah, oh, ça c'est sniff, c'est triste. Je sais pas si c'est mieux là. Non. On va recruter du frondeur et un coursier. Et au besoin, sur le chemin, on recrutera quelques mercenaires. Voilà, et il me semble qu'à Sunuraxi ou Nugoro, je sais plus. C'est même pas la même province en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est même pas la même province. Là-bas, on pourra recruter des archers sardes qui sont. Bah, qui sont pas dégueux quoi. Ouais, genre Carthage intrus là, carrément. Bon, ça va pas se passer comme ça. Vous voyez, Carthage, il nous embête déjà. Alors, puits sacrés, il me semble qu'il fallait. La chasse sacrée. Ça, on en avait besoin. Il y avait la chasse sacrée et puits sacrés, un truc comme ça. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Voilà. Voilà, on se bat pas à domicile, donc pour l'instant, ça sert pas trop à grand chose de. Développer, hop, là on est encore chez, voilà, on est chez les ennemis et on pille tout ça, ça nous fera des thunes. Faut jamais dire non, un peu d'argent. On peut marier, on peut la marier, elle, on peut la marier, c'est très bien. En principe, on fait up les capacités. On peut le marier également, on a plus d'argent, on peut plus recruter, c'est ballot. Aïe 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 aïe. Donc on est en 399 avant Jésus-Christ. Et il me semble qu'à un moment il parle de maïs. Voilà, je vous laisse réfléchir un peu. Quand vous dites maïs, réfléchir, maïs, c'est quoi son problème? On déclare la guerre à Carthage, forcément. On veut pas de Carthage chez nous. On va reprendre ce qui nous appartient. De droit. Et on peut voir que mine de rien, bah, ils ont des bonnes unités en fait, ils ont des hoplites. Et encore des hoplites. Et des levesses, des javeliniers. Pardon, javeliniers, c'est pas pareil sur. Donc, bon, résolution automatique, ça passe. 69% de troupes restantes. Et on va raser, parce que bah, il nous faut comme objectif final. Voilà. Mon chef a up de niveau. Ça nous apporte du bois. C'est bien, ça va nous permettre d'avoir un peu plus facilement du trade. Et on va faire un puits. Hein. Je sais pas si on va faire un puits ou. Sous nos lacs, non. On va faire un puits. Et. Lui je le bouge, je l'envoie à Caralis, simplement pour voir hein, si jamais il m'envoie des unités dans la tronche, que je sois un minimum prêt. C'est juste un minimum, hein, pas plus. Voilà, on débloque des archers, parce que des archers ça fait mal, même si ça a moins de munitions, moins de team, moins de tirs par minute. Ils ont 15 quand même des munitions les archers sardins. C'est énorme. C'est juste énorme pour du level 1. Je trouve ça absolument abusé. Qu'on en fait, on en fait une brute. Je sais pas, il y a du recrutement, mais ouais, plus 5% de portée, ça c'est bien aussi. Là, ça fait quoi ça, ça fait... Ah, je vois pillage, les gars, je vois pillage. Ça me donne envie, forcément. Ouais. Bon, ça va être mon armée de conquête, je pense que je vais faire ça. Des embuscades. Ça, je m'en fiche un peu totalement là même. Ça, c'est de la merde aussi. Enfin, unité de commandant, je m'en fous que ce soit qu'une unité de commandant. Ouais, allez.
les états non barbares. Ok. Bon, je vais faire ça. On a un de bouffe. Ouais, c'est normal. Accord commercial de la part des Corses. On accepte volontiers, très volontiers même. Ah, les Corses, et le Balaris sont des frères de sang. Donc dès qu'on peut, on acceptera de bien mieux s'entendre avec lui. Oh! Jusqu'à ce que nos tripes grognent et que nos fesses nous brûlent. Ah, c'est bien ça. Alliance militaire, peut-être? Peut-être un bouillard avancé. Mais. Alliance défensive, on peut peut-être exiger un petit paiement. Ça passe pas. Nos ancêtres auraient honte si nous acceptions. Alors, je vous les dieux se réjouiront des mots que nous avons échangés aujourd'hui. Vous nous honorez avec ce terme. Vous m'excuserez, ou pas d'ailleurs, de toute façon c'est pareil. Alors. Ils avaient accepté, oui c'est bien, on va aller voir les Corses. Nous devons parler, j'en suis sûr, mais nous avons aussi besoin. Accès militaire, accepté, voilà, on s'entend très très bien avec eux. C'est putain, amical 106, Ça c'est bien en vrai. Et ok, 186, 4, pff, putain. Et je ne sais plus compter. Oh merde. Merde, pourquoi j'ai pas le... Oups, alors désolé, petite interruption, non voulue d'ailleurs, hein, je précise quand même, on sait jamais. alors, voyons voir. Maintenant, est-ce qu'on peut développer ça? Non. Ah si. Très bien, sympa. On avait pris Cornus, ils sont pas trop mécontents, écoute, je les ai bien pillés pourtant. Hop, on va faire deux archers supplémentaires, je vais remplacer par un de chez moi, faut pas déconner non plus. Oui, Bretter c'est bien. Et c'est, lui c'est quoi déjà? Lui c'est un archer, ah bah voilà. Et on envoie notre espion, ici, ils avaient pas une armée dans le coin là. Ah bah c'est barré. Très bien. Bah écoute, c'est bon, laisse-moi tes territoires, c'est, si c'est gratuit, mon gars. Je vais pas pinailler, hein, comme on dit dans le jargon. Je vais pas pinailler. Alors, on a celui, ouais, rapport militaire, ok, ouais, recrutement. C'est qui ça? Ouais, les Serbes. Là, il n'y a personne là-bas. Bon. Eh ben, on s'est petit. Hein. Voilà. On fait ça, ça a un petit peu de... un peu plus de taux de reconstitution des unités en dehors des murs. C'est pratique. Hop. Ça, c'est bien. On va exporter plus de bois. On gagnera plus d'argent. Là, on a 1144. C'est pas... C'est pas ouf. Bon, en vrai, en début de partie, c'est très très bien. Alors, on a fait un des deux premiers... construire un puits de stockage. Ah, c'est un bâtiment, du coup. Eh ben, je ferai un puits de stockage. Y'a pas de souci. Hop, et on enchaîne à Algarion. On encercle, j'ai bien fait de garder un peu d'argent de côté. On va prendre du hoplite, un truc qui coûte pas trop cher. Du hoplite et des archers. Et au besoin, je la joue manuellement. Hein. Bah, va
falloir que je joue manuellement, les gars. Hein. Donc, moins que. Oh, bah attendez. Voilà. Pas besoin de se casser la tête. Franchement, quelle idée. Hop. On dissout les unités des mercenaires. Ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. On a regagné ce qu'on avait perdu avec les mercos. Ça me va. Plus de dégâts avec les archers, ça c'est bien aussi, mais. Et que ça? Allez, c'est bien. Et on va prendre ça. Voilà. Oh, il y a une mine ici. Oh, il y a une mine d'or en plus. Putain. C'est génial. Voilà, et ça, je ferai une auberge du guerrier. Et ici, quand ça développera, je ferai un puits. Ça me va. Yanna. Hop, agriculture, ouais, tout ça, ce sera de l'agriculture. Toute la partie sud, ce sera agraire. Et la partie nord, ce sera militaire. Si on a de la tuerie. Si on a de l'argent, bien évidemment, bah oui. Allez. On va passer le tour. Tranquillement. Donc, on a reconquis déjà toute la partie nord. Bas quartier, fait chier. En un tour, ça s'est mis. C'est pas cool. Parce que j'avais pas d'argent. Donc, à faire gaffe ici, il y a un amiral qui arrive avec des troupes. Est-ce qu'on a ce qu'il faut à Cornus? À Cornus, on a ce qu'il faut pour l'accueillir. On va se laisser ici pour cet épisode. Aujourd'hui, on aura déjà repris quand même deux provinces. Enfin deux régions, non province, ouais, province au Carthaginois. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Prochaine fois, on essaye de conquérir l'ensemble de la Sardaigne, au moins du sud de la Sardaigne. On se retrouve lors du prochain épisode. C'était Thiob. Ciao!